Tariq Echo. Bah let's go. C'est une game Shimmering Inventors. On peut pas l'avoir vu que c'est pas une gold en premier. Eh oui, vous avez pas pensé à ça. On va quand même stacker un Shogat au cas où on a un plus un Bruiser. Bruiser? C'est quoi la map? C'est la... Dust 2. En gros, la première augmente est Silver, puis Gold, puis Prismatique. Hop là. Tire Belt BF. Jouer du sorcerer avec ça, ça peut être pas mal. Si on a genre le plus 1. Plus 1 jug. Vas-y, on gamble une spot. What's it gonna be? Oh. Oh. Well, not bad. J'apprends rien. Oh, hé hey. Ah, ça va, hein, vous avez pas commencé. Well, 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 qu'avons-nous là? Un petit Shogat tombé du camion avec une petite spat bruiser. Ah, il tank ce Tariq, hein. Il est là, hein. Il est dans le hood. Il est pas là pour enfiler des perles, comme on dit, hein. Il a pas trop de dégâts, hein. Il y a moyen que ça refasse le même scénario. Oh, le stack. Non, il a tué mon Tariq. Non. Oh, tu mets ta 2 HP, non. Oh non. Oh non, bah pas comme ça. Allez mon petit pote Shogat là, c'est ton moment là, c'est à toi de stacker. Et... c'est pour moi. Nah, on va garder. On va faire Titan Ionic. Crown, c'est pas dégueu, mais... on va regretter si on fait une Crown maintenant. Non! J'aurais pu avoir un stack. Manque pas un mot dans le titre. Un mot dans le titre. La nouvelle structure M8 sur TFT. Bah, ils ont recruté deux très bons joueurs. Je pense que c'était les meilleurs profils à recruter, hors ceux qui ont déjà une équipe. J'ai pas grand chose d'autre à dire à part que c'est une grosse communauté de base, donc c'est cool de voir arriver du monde sur TFT. Je pense pas. Je pense que c'est surtout Gotha à mon avis qui va suivre TFT. Je vois mal. Je vois mal Brocky et Squeezie commenter du TFT. Après, si le cœur le rendit, pourquoi pas, hein. Et moi, je suis même chaud de. Je suis même chaud de. De les initier à TFT s'ils veulent. This is very exciting.
Parfait, on arrête de roll. Toujours pas envie de faire une crown pour le coup. Ionic, Titan, Ginzu. Ça peut être sympa de faire une crown, je sais pas. Ça, ça peut être cool. Ça aussi, ça peut être très cool. Les composants aussi. Même ça, c'est bien, quoi. Rang 2-1. Oh. Je pensais rang 2-1. Deux spades, c'est trop, ouais. Pour moi, ça sert à rien de prendre deux spades Bruiser. Une c'est bien pour pas avoir à trouver Sion. Mais c'est fine de jouer Sejuani, tu vois. Rendu 1 ça donne plus de scaling en fait. Parce que ça lui fait gagner des stats sans lui équiper un item, tu vois. Ces rounds sont importants. C'est bien de les gagner. Titanic Strength, c'est très très nul dans cette compo. Si tu joues Shogat 3. Bon, moi j'ai ma cloque, hein. Même avec Shoginzo. De quoi? Je fais jamais Ginzu sur Shogat. Jamais, jamais. Si possible, j'aimerais ne pas avoir à slam une crown, mais si je sens que je tombe sur un mec vraiment vraiment fort et que je veux garder ma streak, je veux peut-être slam la crown. Trop bien ces rounds où tu fais des stacks gratos et tu gagnes tes rounds. Pixel. Là, c'est les rounds qui me font snowball là. Non seulement je les gagne, mais en plus je full stack mon Cho'Gath. C'est important de se mettre sur le côté comme ça souvent, ça permet d'infiltrer la backline. Quand il y a des gros trucs tanky comme ça à tuer, Shogat galère un petit peu. Talia pour Shurima, non, on s'en fout de Shurima. En vrai, notre joke, on pourrait même vendre le bench et rester en 5 sur 6, on aurait gagné quand même, ça n'a aucune importance. Ok. Parfait. Titan Ginzu. On push pas. Parce qu'on a un prix. Il y a une augmente prismatique là qui arrive. Donc c'est peut-être level up. Merci Pagan Kill. Tant que ça te plaise. Ah mais c'est Daisyk, j'ai pas vu.
Ah, on va pas roll le 7, hein. On veut aller chercher des jeunes. Là, mes augmentes prismatiques étaient un peu à chier, je vais pas vous mentir. Ah, il caste pas. Bugué. Perdu à cause d'un bug. Dommage. Combien d'HP le Shogat? Plus 1020 là pour le moment. En tout, il a 6369. C'est pas un très gros chiffre, mais ça va. En rapport avec sa hitbox, potentiellement, ouais. C'est l'explication la plus logique. Allez mon petit pocho, il faut stacker là. Oh les rogues, ils font quoi là? Il a fait quoi le écho là? Oh, il a complètement bugué le bug. Oh, deuxième unité. C'est vrai qu'on joue pas. Un panne est là.
On peut aller 9 ou on peut relazir 2. Les deux plays sont corrects. Sachant qu'on a pas Sage 2 non plus. Après Sage 2 fait pas une grosse diff dans la comp mais... Parfait. Les petits crans au wifi. En termes de stack, il en est où? Plus 1820. Ça correspond à 7800 HP. Ouh. Ça, sur, avec des brawlers, c'est pas mal, hein, le Ishtal. Le Rise Ishtal. Ishtal. Non mais c'est une arnaque quand même. Oh, vas-y, sacré que ça aille. Velvet Bruiser c'est vraiment broken hein, pour le coup. Et là, ces stats là elle aime bien. Attack speed, AD, AP. Même de la mana pour 4 cast instant d'HP. C'est le bis Velvet ça. J'aimais trop le mot bis. Bis. Bis of the bis. Best in slot. Digition. Bis. OMG, il gagne de l'attack speed en forme de truc et il met en rust. Turbo bis. Attends, il joue la même chose que moi lui. Mais en moins fort, c'est pas de chance. C'est ça, je vais me faire karma, je vais perdre la round. Belvet, c'est très fort contre son board. Yo Jenny Files, merci pour le Prime. Hop là, et on roll. Where is your love? Hop là. Le Rise Digital, ce qu'il fait, c'est que déjà il a 2 de range, donc vous le mettez deuxième ligne. Et bah, il crée des espèces de ronces autour de sa cible et ça donne de la magic resist et de l'armure à tout le monde. Du coup, sur, avec 6 bruisers, mais c'est toujours pas broken en fait. T'as des unités avec 10 000 HP qui gagnent aussi de l'armure et de la magic resist. Broken. Même logique pour le rang que j'ai pris. Désolé mon pote, tu n'avais aucune chance. You had no chance. Tremble before the bruisers. Un titan, une force de la nature ce Shogun. Un colosse, que dis-je. Un Goliath.